Zéro, aujourd'hui on se retrouve bien pour un nouveau vlog que j'ai annoncé il y a déjà pas mal de temps, que j'attendais de vous faire depuis pas mal de temps. Aujourd'hui je vais vous expliquer pas mal de petites choses qui se sont passées dans ma vie, sur la chaîne, qui vont se passer par le futur, parce que oui, il va y avoir de gros changements avec l'arrivée d'un nouveau jeu que j'en ai beaucoup parlé sur Twitter. Voilà, donc un jeu qui va sûrement vous intéresser, que vous allez bien voir, enfin vous allez bien tout voir le changement, ça va vraiment arriver vite. Et j'ai aussi besoin de vous parler un petit peu de l'absence qu'il y a eu ces quelques dernières semaines, puisque j'ai eu vraiment des gros trous de vidéos, j'en suis vraiment vraiment désolé. J'avais vraiment pas la possibilité d'en faire grand chose, mais voilà, j'ai pas eu le choix, j'ai dû faire des pauses de vidéos. Mais sachez que tout va reprendre. Donc voilà, il va y avoir plusieurs points dans la vidéo. Dans un premier temps, on va parler des absences, ensuite des séries qui vont être modifiées, ensuite de l'arrivée de GTA V. Et oui, attendez, on le prend, on tend le bras comme un gros bâtard, et voilà. Voilà, ouais, bref, après avoir bougé le micro n'importe comment, on s'en bat les couilles, bref. Voilà, donc voilà, je vais pas m'embêter énormément pour cette vidéo, voilà, pour ce vlog de reprise, vraiment. Puisque, comme vous le savez, ça fait vraiment du temps, ça fait vraiment beaucoup de temps que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et voilà, je tiens à reprendre ça en beauté, puisque sachez que, bah, au moment où vous regardez cette vidéo-là, dans deux jours, je suis en vacances. Après, pendant toutes les vacances, je suis chez moi, donc j'ai l'avantage, sauf un petit endroit, donc j'ai l'avantage de pouvoir vous publier énormément de vidéos, de repartir sur des lives, et faire vraiment, 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 vraiment beaucoup de choses. Bon, faites pas attention à cette coiffure de merde, on s'en bat les couilles. Moi, je vais juste chez le coiffeur aujourd'hui, donc voilà, je fais ça avant. Bref, ça aurait été peut-être mieux de faire ça après, mais bon. Voilà, en tout cas je sais que vous aimez l'IRL, donc c'est pour ça que je vous le fais en IRL en ce moment, et en plus il fait assez beau dehors. Bon, la luminosité par contre elle doit être à chier, mais bon, c'est pour rien. Voilà, j'ai pas encore le matos nécessaire, et voilà. Donc voilà, on va partir un petit peu tranquillement, donc je vais vous expliquer un petit peu les absences qu'il y a eu ces dernières semaines. Faut savoir que ces trois dernières semaines ont été mouvementées par pas mal de petites choses. Sachez que déjà cette semaine, donc aujourd'hui on m'a envoyé cette vidéo à la semaine d'avant, j'avais mon correspondant danois, donc j'avais pas possibilité de vous faire de vidéo, puisque j'allais, enfin, je vais pas dire que j'allais le promener, parce que c'est pas un chien quoi, mais bon, en gros, j'allais lui montrer pas mal de choses de ma ville, pas mal de choses de... On s'est promené, on est à Paris, on a été tout ça, et bon, ça m'a permis de lui montrer pas mal de petites choses qu'il n'avait pas forcément vues, et j'avais des sorties scolaires en même temps pour animer un petit peu l'arrivée des Danois et tout, donc, bah voilà, pendant cette semaine-là, j'ai vraiment pas eu, vous avez, de toute façon, vous l'avez vu, hein, pas une seule vidéo qui a été publiée. Les semaines d'avant, j'avais les bacs blancs, les épreuves de bacs blancs, les épreuves de bacs blancs, tout simplement. J'avais vraiment pas la possibilité de vous en faire beaucoup de vidéos, et j'avais aussi une grand manque de motivation en attendant ce. Voilà, bref, ce mec devient fou. Mais oui, j'avais, en gros, je devais attendre un petit peu, j'avais vraiment un gros manque de motivation, j'étais vraiment très occupé, parce que j'ai eu vraiment des gros bouleversements dans ma vie, je veux pas dire un réel dans ma vie in-game, on pourrait dire ça, même si c'est pas du tout une vie, mais en gros j'ai eu vraiment beaucoup de nouveaux amis, il y a eu l'arrivée de AUMP qui s'est passé il y a bientôt un mois maintenant, le week-end de Pâques, donc c'était AUMP à un minerai près, je pense que vous avez peut-être pu voir ça sur certaines chaînes YouTube, c'est un gros événement, j'ai pu découvrir et parler à beaucoup de personnes. Et ce qui a fait que j'ai pas eu le temps vraiment de m'attacher à YouTube, de repartir sur YouTube. Donc ce qui a fait que je pouvais pas vous faire de vidéos. Donc voilà, enfin voilà, maintenant les vidéos vont reprendre. Comme je vous l'ai dit, on va parler un petit peu après de ce magnifique jeu que j'ai entre les mains, que je tiens depuis une semaine. Puisque oui, en fait, je l'ai reçu pendant qu'il y avait mon danois. Mais je n'ai pas eu la possibilité de vous faire de vidéos dessus. Parce que oui, en gros j'ai même pas eu le temps de jouer, enfin j'ai joué un petit peu au solo, on a pu un petit peu avancer au solo jusqu'à débloquer un deuxième personnage. Mais bon bref, je vais pouvoir un petit peu vous en parler par la suite. Donc voilà un petit peu pour les absences, j'en suis vraiment désolé, sachez que les vidéos vont reprendre un rythme à peu près normal. Une vidéo par jour, une vidéo tous les deux jours pendant une très longue durée. Maintenant on va parler un petit peu des séries, oui comme vous le savez. Il y a beaucoup, en fait l'arrivée de GTA va bouleverser la totalité de la chaîne, je sais que vous êtes tous à me suivre pour Minecraft. Et sache que je vais pas l'oublier, sachez que GTA V est un jeu que j'attends depuis, enfin en tout cas la version PC est un jeu que j'attends depuis vraiment très longtemps. C'est un jeu qui me tient à cœur plus que tout. Je vous le dis clairement, c'est un jeu qui me tient purement à cœur, puisque quand je l'avais vu sortir sur console, sachez que je n'ai aucune console autre que la Wii U, parce que je suis un fan de Zelda, voilà, j'étais obligé de me la prendre la Wii U. Donc voilà, j'attendais cet opus avec très grande impatience, c'est pour ça que voilà, il va prendre beaucoup de place sur la chaîne. Voilà, mais sachez que je ne vais pas du tout oublier Minecraft, mais il va y avoir des séries qui vont être bouleversées sur la chaîne. Vous savez qu'actuellement nous avons des séries sur Epicube, une série sur ça, une série blabla. Bref, il y a beaucoup de séries, puisque la chaîne est animée que par du
Minecraft. Vous êtes très nombreux à aimer la plupart des séries, en sachant que la série que vous aimez le plus, c'est le top 5 qui manque absolument en flèche, et sachez que je vais bien sûr continuer. Donc voilà, un petit bouleversement dans les séries. Maintenant, la série Détente, comme il y avait avant, va repartir à zéro. Donc il va y avoir Détente épisode 1, Détente épisode 2, et les détentes vont être des vidéos sur serveur. Sachez que par exemple, il va y avoir des détentes sur Sarah, des détentes sur Apico. En gros, il va y avoir Détente, 2 points, le nom du serveur, 2 points, le jeu, 2 points. Enfin, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Et ça va être une série détente, comme ça, ça va un petit peu, comment vous dire, mettre tout ensemble, voilà, on va tout répartir ensemble pour pouvoir ainsi vous faire, je vais pouvoir ainsi vous faire une seule série, vraiment une série de détente, comme ça, ça évitera de s'éparpiller avec beaucoup de séries sur beaucoup de serveurs. Sachez que ma chaîne n'est pas forcément que des serveurs. Donc voilà, cette première série va être présente là, va bientôt arriver, on va l'appeler détente, hashtag 1, par exemple pour l'épisode 1, et en gros... Ça va prendre en compte tout ce qui est serveur, map de mini-jeu, je parle pas de map de parcours, on en parlera un tout petit peu après. Les maps vont continuer par leur-même, mais bon, map de mini-jeu, truc entre amis, voilà, ça va être réparti en une seule et unique série. Un mini-jeu d'un serveur qui est en train de monter, dont je fais partie du staff, va passer en mode série unique, ça veut dire qu'on va commencer une série sur... l'UHC Run de chez Samagames. Donc voilà, c'est une série vraiment qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un jeu qui est vraiment adapté aux vidéos. Et on peut faire surtout de superbes parties, donc avec les amis on va sûrement en faire énormément. J'ai aussi avec Wolf, avec tout ça, je sais qu'ils y jouent beaucoup en ce moment, même si eux ils sont toujours préférés par les UHC de grande capacité. Moi je vais plutôt privilégier cela. Donc voilà un petit peu cela, il va y avoir une nouvelle série qui va se lancer, UHC Run épisode 1, UHC Run épisode 2, UHC Run épisode 3. Normalement on va directement prendre à l'épisode 4 puisqu'il y a déjà certains UHC Run, les titres vont être changés, bref, il va y avoir quelques modifications à faire, mais ça va être super sympa. J'espère en tout cas que vous aimez, n'hésitez pas vraiment à commenter dans les commentaires, super, si vous êtes intéressé, mais en tout cas si vous avez des suggestions, des idées à faire. La série sur Hero Mode, comme je le dis à chaque vlog, va reprendre. Sachez-le que oui, il va reprendre au fur et à mesure du temps. C'est juste que c'est une série qui bug énormément parce que Java n'aime absolument pas FTB. Sachez-le, surtout avec leur mise à jour de mes couilles chez Java. Bref, faut que je résous ces problèmes. Et vraiment, j'ai plus trop la motivation de faire du remode. Même si vous inquiétez pas, je vais essayer de faire en sorte que ça reprenne. Donc, un petit peu pour remode, ça va continuer en série unique. Il va y avoir les maps parcours qui vont continuer en série unique. Et il va aussi y avoir les speed art. Qui vont être série unique toujours, et les top 5 en série unique. Voilà un petit peu, et les présentations de mode aussi en série unique. Bref, ça fait beaucoup de séries sur Minecraft, je le sais, vous me le dites à chaque fois, mais voilà, je suis obligé de comme ça au moins ça reste un petit peu planifié, au moins on gère un petit peu tout ça au même point. Voilà, en tout cas le gros changement c'était les séries sur les détentes, voilà, je devais en parler. Et maintenant on va parler un petit peu de ce petit jeu qui va prendre énormément d'ampleur sur la chaîne. Voilà, comme vous le savez, ce GTA 5, comme j'en parlais un petit peu en début de vidéo, pardon un petit peu pour ce bruit absolument horrible du micro, c'est du pied de micro plutôt, il va y avoir des séries qui vont être lancées sur GTA. En particulier des séries un petit peu innovantes qu'on ne voit pas beaucoup et qui vont utiliser les particularités de cette version PC. Puisque sachez que je tourne le jeu en 60 FPS Very High. Oui, c'est une tuerie. Voilà. Mais en gros, il va y avoir les funtage habituels qu'on voit tout le temps. Il va y avoir... Je ne ferai pas de let's play sur le solo, je le ferai peut-être en live par moment, mais je ferai pas de let's play sur le solo parce que c'est vraiment trop fait. L'histoire, d'accord, il y a de nouveaux graphismes. Mais bon, voilà, comment vous dire que il y a aucun intérêt à faire ça en solo. Vous avez énormément de jeux de vidéo bien mieux que la mienne qui seront présentes. Mais en tout cas, moi, je vais lancer des nouvelles séries qui vont être innovantes. Je vais pas forcément vous en parler totalement. Faut quand même garder un petit peu de hype, de suspense, voilà. Mais voilà, on fera des vidéos un petit peu de présentation, de tutoriel. Sachez surtout un tutoriel que je pense faire en priorité qui va aider beaucoup de joueurs PC. Ça va bientôt arriver. Des tutoriels un petit peu sur GTA 5 PC, puisqu'il y a vraiment, comme je l'ai dit, beaucoup de particularités qui ont changé. Voir un petit peu les changements par rapport aux versions PC, enfin en version console, pardon. Et aussi lancer, ça je vous le dis pas tout de suite, c'est vraiment une surprise, et vraiment c'est un truc que je tiens vraiment beaucoup à cœur et qui va me demander beaucoup de travail. Voilà un petit peu pour les idées. Bref, en tout cas, GTA va prendre 50% de la chaîne, Minecraft va redescendre à 50% de la chaîne. On va repartir sur vraiment des styles de vidéos différentes.
Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est pas pour autant que j'abandonne Minecraft, loin de là. Minecraft maintenant sera toujours une grosse partie de la chaîne, faut pas croire. Mais GTA va quand même arriver et j'espère que ça plaira à beaucoup d'entre vous. C'est pas pour ça que je vais abandonner Minecraft, sachez-le. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo. On se retrouve d'ici très très peu de temps pour les résultats du concours des 7000 qui finit ce soir normalement si vous regardez la vidéo le jour où elle est publiée. Et je vous retrouve aussi très prochainement pour les premières vidéos sur GTA qui sont déjà tournées depuis pas mal de temps. Et voilà. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à plus et ciao pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.